On est à une étape où on va essayer d'attaquer. Ouais, parce que Michael Rowe dit, je pense qu'il va tenir dans la dernière difficulté, la dernière étape, dans l'étape reine. Bonjour à tous. Le profil de cette course est assez varié. Tous les types de coureurs devraient pouvoir s'exprimer. Allez, une bonne note. Ah, elle a un petit plus 1. C'est déjà ça. Pour une étape intéressante, on va essayer d'attaquer dans le dernier radar. On va essayer d'attaquer nos coups dans le dernier radar. Du coup, on va se retrouver dans le dernier radar. Allez. Allez, on se retrouve à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Ouais, du coup, ça peut être à faire un train. Bon, l'échappée va sûrement aller au bout. Bon, là, parce que là, il n'a pas grand monde de dangereux au général. Allez, nous, du coup, on va rouler pour préparer l'ascension finale. Bon, on va essayer d'attaquer. Bon, je pense qu'on va pas les revoir, ces coureurs-là. Allez, on roule avec Heinrich Rosmer, avec Juan Dennis qui a 78 vallons et nous qui a 79. On peut faire mal. Faire attention au Canadien Michael Rowe qui doit être dans le parage, et Valgren bien évidemment, mais Valgren, je pense qu'il va pas passer. Il reste maintenant moins de 15 km à parcourir. La dernière étape reine. L'écart se creuse, plus de 2 minutes. Le peloton semble laisser filer. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement augmenté son rythme. Et la UAE qui roule pour Ulissi, pour Diego, qui est favori avec sa pointe de vitesse. Allez, c'est Rory Sutherland qui roule avec Osler. On va arriver dans la difficulté sans trop tarder. Du coup, on met tous. Hop, Alors, on va dire à Cyber que s'il encore peut de ramener 10 km un bidon, à parcourir. Pas, qu'il ne fasse pas. Allez, devant, c'est gagné. Devant, ils sont au pied de la difficulté. Allez, j'espère sortir de la difficulté. Peut-être l'échappée décisive. Allez. Prends ton gel. Allez, là, faut amener fort maintenant. Le peloton semble avoir réagi et reprend du terrain sur l'échappée. Toi, tu pourras pas le ramener, c'est pas grave. Allez. Ça Allez, la foule est fort. Les coureurs sont maintenant dans un passage à plus Allez, de 10%. Hop. Autant à Juan Dennis, là, ça va faire mal. 78 vallons. Allez. Allez. Ah, ça, c'est une attaque qui va faire des dégâts dans le groupe. La liste des lâchés ne fait qu'augmenter. Allez. Les coureurs entrent dans les 5 derniers kilomètres de l'étape. Allez, on attaque, nous, avec Pozzo. Qui est donc là, faut rouler à bloc. Allez là, Juan Dennis, un des meilleurs rouleurs du monde, le champion du monde de contrôle à montre, là faut rouler à bloc, on n'aura pas la victoire mais bon c'est pas grave ça, allez Juan. Attention, une attaque à l'avant, ça peut aller au bout, allez, on va c'est même parti pour l'emballage final, on va même faire le sprint, allez, j'espère que ça a compté de la cassure. Que j'ai pas fait ça pour victoire rien. Sur le fil, il a parfaitement bien géré sa course. Allez, c'est Ryan Mullen qui s'imposait du coup devant Flonky et la Danube. Allez, coupe de Yves 4, Denis fait 5. Allez, normalement, la 20 secondes, j'espère que les 20 secondes seront comptées.
c'est Malgren qui fait le sprint du peloton. Les retardataires finissent au mental. L'étape a mis les organismes à genoux. J'espère que les 20 secondes. Mais non, elles sont pas comptées. Pff. Il y avait 20 secondes. On aurait pu prendre le maillot de leader avec 20 secondes. Malheureusement, c'est comme ça. Mais bon, on l'avait clairement 20 secondes. Allez, on va du coup faire l'étape 5. Une étape de sprint, du coup, pour Phil. Une étape pour Phil. Allez, on va la lancer. Allez, on se retrouve à la fin du chargement. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, c'est une journée idéale pour les petites formations. Elles doivent prendre des risques afin de se mettre en évidence et avoir une chance de gagner cette course. Allez, on est parti du coup avec Phil. On va se retrouver dans les 20 derniers kilomètres de l'étape. On va pas partir en échappée avec Herman, parce que ça sert à rien. Allez, on va se retrouver dans les 20 derniers kilomètres de l'étape. Allez, et voilà, une attaque dans le groupe d'échappée. Auprès. Allez, on fait le train. Il reste maintenant moins de 10 km à accomplir. Sprint massif, l'échappée vient d'être récupérée. Allez, petit train, ça va faire trop gros. Il va falloir monter là, Yuki. Allez. Allez, on remonte. Faut amener un peu échappé, de braquet, là. Terminé. Le ouais, peloton ne leur a laissé aucune monde. Chance. Nous sommes à 5 km de l'arrivée. J'ai merdé un peu du poisson pilote. Donc ça va faire mal, je pense. Ça y est, le sprint est lancé. Allez, on lance. On lance tout le monde. Allez, Phil. Un sprint tout en puissance pour une superbe victoire. Il fait la meilleure place, il fait 4 pour Zo. On a une place des bonifs encore une fois. On n'a vraiment pas de chance sur ce tour, donc on va se retrouver directement pour la dernière étape, l'étape reine. Allez. Bonjour à vous, mesdames et messieurs. Le parcours est relativement vallonné. Tout le monde devrait avoir son mot à dire. Rouler sous cette chaleur doit être insoutenable. Ok, donc zéro pour tout le monde. Quelle étape de merde, je veux dire. C'est pas grave. On a des plus deux en pleine, mais par contre, quand c'est la dernière étape, étape reine, on se tape un zéro. Bon, allez, c'est déjà mieux que rien. Allez, qu'on va se retrouver, nous, en bas de la dernière difficulté. Allez. Comme tactique. Allez, on se retrouve à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. On va du coup préparer la dernière ascension. L'écart entre le peloton et l'échappée diminue. L'échappée vient de se faire rattraper. Allez, nous on est. C'est Michael Wood, le favori. Ah, ça c'est une attaque qui va faire des dégâts dans le groupe. Allez, prends ton gel. L'échappée est terminée. Le groupe vient d'être repris. Encore 5 km à parcourir. On va pas tarder à le prendre notre gel. Allez, on va le prendre, allez. Et là, Randonis, allez.
un rythme soutenu pour cette montée. Pour l'instant, ça se passe bien. Mais bon, il va s'écarter, Juan. Avec le Canadien sur la droite de la route avec Robert Gesink. Allez, non. Hop. T'avais fait pas bloquer, s'il te plaît. Domenico, il s'est fait bloquer un peu. Mais le Canadien est parti. Valgren qui est là aussi. Allez, Nodjel fait. La sélection par l'arrière se poursuit. Encore des coureurs qui se font lâcher. Allez, oh, Valgren, il est fort. Allez. Le sprint final est lancé, ça va très vite maintenant. Allez, on gagne la dernière étape. C'est la victoire pour l'Italien Domenico Bozzavivo. Je sais pas du tout si on prend le maillot. Mais on fait deux, c'est sûr, on fait deux. Après, est-ce qu'on prend le maillot, ça je sais pas. Est-ce qu'on prend combien? On prend 10 secondes de bonif. Les retardataires continuent à arriver. Faut voir s'il y a une cassure de craie, mais normalement on prend pas le. Normalement on prend pas le maillot. Bon allez, on va voir ce que ça donne avec les podiums finaux. Les meilleurs moments de cette allez, course. Nous gagnons du coup la dernière étape, mais malheureusement voilà, la pas de cassure, c'est tout à fait normal. Du coup nous allons être deuxième. Voilà, deuxième à 4 secondes de Michael Valgren. C'était franchement pas lui le leader que je pensais le plus terrible. Je pensais que ça allait être Michael Wood, mais non. Il a craqué dans la dernière ascension, mais Valgren était très fort. Allez, du coup, Mathieu Ladienouf est premier grimpeur. Nous, on est deuxième à 2 points. Un peu dégoûté. Et il y a Viviani devant Ladienouf. Meilleur jeune Caleb Ewan devant Ben O'Connor. Et la meilleure équipe, la Trek Segafredo devant notre Bahrain Mérida. Allez, du coup, j'espère que vous avez aimé cette preview de Tour de l'Andorre. Je vais faire la preview sur la Get Long, enfin la Kedel Events Classic. Get Ocean, voilà. Get Ocean, Kedel Events, Get Ocean, Woodways. Ensuite la UAE et ensuite les classiques belges. Comme le Bloop, la Stradia en Italie, le Paris-Nice, le Tirreno, le Milan-San Remo. Volta Ciclista, Decathlonia. Bien évidemment, ensuite les Paris-Roubaix, les grands tours, et voilà, toutes les courses sont en tour. Donc, en dessous de cette vidéo, je vais mettre un straw poll avec un vote d'équipe pour la Kedel Events Classic. Donc, j'ai mis un straw poll aussi sous la vidéo du cyclocross pour cette vidéo. La personne qui a voté, du coup, c'était mon équipe que je voulais prendre. J'ai décidé de prendre. La Bahreïn, n'hésitez pas à aller voir, mais mon ancienne vidéo donc, du cyclocross. Allez, c'était Thomas Rider, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu ou un pouce rouge si vous aimez ou si vous n'avez pas aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour m'aider à évoluer la qualité, à augmenter la qualité de cette vidéo. Allez, c'était Thomas, ciao!